Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est dans la même lignée que la vidéo précédente et dans les emails privés que je t'ai envoyés au cours des derniers jours. On commence l'année en abordant les finances personnelles. C'est ultra important d'avoir vraiment de savoir comment fonctionne l'argent, qu'est-ce que réellement l'argent, vraiment de changer ta vision par rapport à l'argent parce qu'on l'utilise tous les jours. Pourtant, très peu de personnes apprennent l'argent, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière, et c'est ultra primordial de se former sur ça, sur le sujet. Quoi de mieux pour te parler du sujet que de te présenter un livre qui est vraiment référence en la matière, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un best-seller, le numéro 1 en matière de finances personnelles depuis plus de 20 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est juste écrit sur la couverture. C'est vraiment un livre à connaître, mais au-delà de ça, à lire. Moi, ça faisait plusieurs années que j'entendais parler de ce livre, mais je l'ai lu il y a quelques mois. Et même si j'avais, à travers d'autres livres, en me formant, en expérimentant, que je considère déjà l'argent autrement, j'ai quand même pris des tips dans ce livre, j'ai quand même pris à des moments des mini-claques. Et si toi, tu n'as jamais lu sur les finances personnelles, que tu t'es jamais vraiment intéressé à l'argent, je t'invite à lire ce bouquin, mais c'est franchement, achète-le maintenant. Vraiment, achète ce livre maintenant, il est dans toutes les librairies. Je te mettrai également le lien en description. Emprunte-le si tu as un ami ou une amie qui le possède. C'est vraiment un livre à lire et ce livre, il va changer complètement ton regard sur l'argent, sur la vie en général. Forcément, l'argent est très présent dans nos vies. T'as beau dire « je rejette l'argent », on est dans des sociétés où l'argent tient une place hyper importante. Je trouve que c'est mieux et plus sain d'apprendre à le maîtriser pour faire des choses positives plutôt qu'être dans le rejet. Donc autant apprendre comment ça fonctionne, comment bien l'utiliser. L'argent n'est qu'un outil. Et ben, d'ailleurs, il y a des petites phrases que j'aime bien dedans à l'arrière, en quatrième de couverture. « Père riche, père pauvre est un point de départ pour quiconque cherche à prendre le contrôle de son avenir financier. Faire exploser le mythe selon lequel il faut toucher un revenu élevé pour devenir riche. » Surtout dans un monde où la technologie, les robots et l'économie mondiale changent les règles. Expliquer ce qu'il faut enseigner aux enfants à propos de l'argent. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école, mais n'ont rien appris à ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. C'est l'auteur Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre. Vraiment une référence. Tu le sais, moi quand je te présente des livres, je te fais pas de résumé de livre parce que moi-même je suis pas client de ça. Par contre, j'ai envie que dans ces quelques minutes, je te donne envie de le lire tout simplement et d'absorber ce contenu, de vraiment te dire ah oui, ok, effectivement, je t'ai déjà présenté la semaine de 4 heures, je t'ai présenté le livre Convaincre en moins de 2 minutes, tu auras les liens dans la description. Là, j'ai vraiment envie que tu t'intéresses à ça, aux finances personnelles, parce que je reçois plein de messages personnellement tous les jours par rapport à comment tu fais pour autant voyager, comment tu fais pour faire ci, comment tu fais ça. Je vois que l'argent tient quand même une place importante et c'est le cas, c'est important. Il faut juste apprendre à s'en servir. Il n'y a pas besoin, comme il est écrit, d'être ultra riche. Pas du tout, il faut juste te former sur le sujet. Donc ce livre, il est bien fait. Ce livre, il se lit bien. À des moments, tu as des anecdotes, c'est un petit peu comme une histoire. Et je vais juste t'expliquer le titre, pourquoi Père riche, père pauvre. C'est-à-dire que l'auteur, donc Robert Kiyosaki, eh ben, il a deux pères. Il a son père pauvre, qui lui est son père biologique. Et il a son père riche, qui est le père de son meilleur ami, qui va lui enseigner des choses. Son père pauvre va également lui enseigner des choses. Et il va des moments faire des parallèles entre son père riche et son père pauvre. Mais pas que, à des moments, il y a juste des expériences de vie. Il nous relate son apprentissage, c'est hyper bien foutu. Fin de chapitre, en fin de leçon, parce que c'est des leçons, tu vas avoir des séances d'études où on va te poser des questions, on va te mettre à contribution. C'est vraiment bien fait. À des moments, s'il faut des petits schémas pour t'expliquer une notion, il y a un petit schéma. Le livre est hyper bien foutu, hyper bien expliqué, hyper complet. Après, c'est un livre qui va te mettre une claque, comme je te l'ai dit, si tu n'as jamais lu en matière de finances personnelles. Mais derrière, il va falloir que tu appliques et que tu ailles plus loin. Pour moi, c'est d'ailleurs la différence entre les livres et les formations, que ce soit des formations en présentiel ou des formations en ligne, c'est que ça va être orienté vers l'action. C'est-à-dire que le livre, tu vas apprendre les grands concepts, à des moments, tu vas même avoir des tips au réel, mais qui pour le coup sont applicables aux États-Unis, au marché américain. Mais tu vas apprendre les grands concepts, tu vas apprendre les grandes théories, tu vas te motiver, t'inspirer.
Et derrière, il faut que tu appliques et que si tu veux aller plus loin, ben, tu ailles vers une formation pour aller chercher l'action et qu'est-ce qu'il faut faire dans les faits. Pour moi, c'est ça la différence. C'est pour ça que c'est important de te former avec les deux. Et franchement, c'est vraiment un livre que je te recommande très, très, très chaleureusement. Peu importe ton revenu, hein. Une fois de plus, je tiens à insister sur ça. Que tu gagnes 600 euros, 1000 euros par mois, 2000 euros, 10 000 euros par mois, si t'es pas aguerri en finances personnelles, que t'as pas cette intelligence financière, c'est comme ça qu'on appelle ça, procure-toi ce bouquin. Il coûte 22 euros, mais derrière la valeur qui est contenue dedans, ça c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est vraiment un investissement parce que derrière en valeur, évidemment que tu vas avoir une valeur supérieure à 22 euros. Je te recommande d'acheter ça plutôt que de t'acheter une connerie qui ne te servira pas et qui dormira dans ton placard. D'ailleurs, petite anecdote, je t'invite à l'acheter. Pourquoi je t'invite à l'acheter? Parce que on parle pas assez de la notion d'engagement par les finances. En fait, et je l'ai même remarqué pour mon cas personnel, quand tu achètes quelque chose, donc là en l'occurrence c'est que 22 euros, mais tu t'engages financièrement à hauteur de 22 euros. Alors que peut-être que quand on va te le prêter ou que tu vas le recevoir gratuitement, c'est pas le cas pour toutes les personnes, mais tu vas te dire ouais, faut que je le lise, je vais un peu le faire, je vais un peu le bouquiner, et tu vas être moins engagé parce que tu n'as rien mis sur la table. Donc ça, c'est également un truc que je t'invite à faire. Quand tu t'engages, évidemment que tu vas aller plus loin. T'es prêt à le revendre à un ami, à une connaissance, mais en tout cas, lis-le, c'est le message de cette petite vidéo. Père riche, père pauvre, finances personnelles, idéal pour commencer l'année dans des bonnes conditions. Il y aura le lien en description. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu. Je t'invite également à rejoindre mes emails privés. C'est le premier lien dans la description. Et pour faire simple, si tu ne m'as pas rejoint dans les emails privés, tu loupes plus de la moitié de mon contenu. Donc, c'est-à-dire que c'est 100% gratuit. Tu as juste à t'inscrire. Tu donnes juste ton adresse mail. Tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Et je vais te partager 3 fois par semaine des conseils et des retours d'expérience pour que, à ton tour, tu te crées une vie pleine d'aventures et de liberté. On va aborder tous les sous-thèmes que constitue la liberté, l'entrepreneuriat, voyage, expatriation, minimalisme, développement personnel, avoir vraiment beaucoup de contenu. C'est le premier lien dans la description. Donc, je t'attends. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao!